Alors, je me sens un petit peu privilégiée de tenir entre mes mains un vrai prix d'excellence, un prix d'excellence qui, avant évidemment de tomber entre mes mains, est passé par les prestigieuses mains de Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Patrick Hachi. Ensuite, il a été béni par le pasteur Mohamed Sanogo. Il a été validé par un certain Félix Kakou, Nadine Blas et j'en passe. Et aujourd'hui, je l'ai entre mes mains. C'est peut-être le présage qu'un jour, je pourrais moi aussi avoir un prix d'excellence. En l'occurrence, celui-là, il n'est pas le mien. C'est celui de Lola Wise qui, le 5 septembre dernier, a reçu le prix d'excellence catégorie chef d'entreprise pour les jeunes. Lola Wise qui est notre invitée donc ce soir. Donc j'espère qu'un jour moi aussi j'aurai le prix d'excellence, hein. Qu'un jour moi aussi je serai leader, leader dans mon domaine, leader comme ceux qu'on reçoit ce soir qui sont les pionniers du Zouglou de leur génération. Deux chanteurs, plus que deux désormais, ils seront avec nous. On va libérer ces jeudis, on va pas se prendre la tête. Allez, je ne serai pas seule, Sonia Guizet avec moi, en cas de cas est là. Puis il y aura une très très bonne ambiance à la fin de l'émission. Bienvenue dans la télé d'ici, pour ne rien rater de l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ce programme vous est présenté par Lonassi Online. Bonsoir et bienvenue. Alors on est... Alors je pense que j'ai dû oublier le public hein, dans la petite intro de tout à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait normal. Est-ce que le public est là ce soir? Ça va, merci. Je vois des petits t-shirts rouges et tout. Je vois War à Tours de part et d'autre. Je me suis laissé dire qu'il venait de 14 chefs-lieux de région de partout en Côte d'Ivoire. Il représente l'excellence ce soir. Donc l'excellence, ce n'est pas seulement Lola Wise qu'on va recevoir, mais aussi ces jeunes qui sont l'avenir, finalement, de la Côte d'Ivoire. On dit que c'est l'année de la jeunesse, donc c'est tout à fait normal. Vous pouvez vous applaudir un petit peu? Bienvenue à la télé d'ici. C'est Sheikina qui remplace Sheik ce soir. Sonia, ça va? Ça va, j'aime tellement te voir à cette place. C'est vrai? Ça va comme un gant. Oh, moi aussi, j'aime bien vous regarder cette place-là. Ça va, NK, it's OK? Oui, ça va super bien, Sheikina. Il ne reste plus qu'à chanter. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Bon alors, t'as fait quoi cette semaine? Oui, j'ai travaillé, je suis parti fouiller des dossiers, voilà, enlever les toiles d'araignée, ramasser et tout. Et on va déclassifier ça tout à l'heure. Un grand dossier. Ben oui. Ouais, tu as mis le chapeau des grands jours aussi. Tout à fait. C'est quand même le neveu de l'illustre. Benawa Kassim. Tout à fait. Voilà. Écoute, il y a peut-être des choses que tu as ratées cette semaine. On va te faire une petite piqûre de rappel. On va te faire ta séance rattrapage pour que tu sois au même niveau d'information que nous. Ça va aussi pour tous ceux qui ont raté donc, cette semaine ou qui ont aimé aussi et qui souhaiteraient revoir ces petites parties, ces petits instants de la télé d'ici. On va remonter quelques jours en arrière. Le live de Sekissa, c'était très bien. Hein, on est d'accord. Bonne ambiance, le Zouglou comme on l'aime, puriste et tout. Et je pense que Charles Blégoudé, qui était avec nous aussi, avait fortement apprécié. Allez, flashback quelques jours en arrière, non? Yeah, c'était lundi. Ouais, lundi. Prolongation, le sujet de la prolongation. Allez, laissez les femmes, allez, laissez les femmes, allez, laissez les femmes, allez, laissez les femmes. Qui n'a rien à faire, allez, laissez les femmes, allez, laissez les femmes, allez, laissez les femmes, allez, laissez les femmes. Allez,
Mazadi, prends ce qui t'appartient. Arrête Mati un jour. Et ils vont savoir marcher, tout simplement pour éviter les problèmes. Mon frère, parce que t'es un fourrier. Oh, un yami kioro. Un yami kioro. Un yami kioro. Si moi je voulais me tuer, c'est un policier qui va me tuer. Mais je suis pas prêt pour mourir. Comme un cafard qui est couché dans la rue. Raison pour laquelle j'ai choisi mon sougrou. Dans ce sougrou museo, je réveille le sougrou museo. La fleur est chère, sougrou museo. Un sougrou museo, mon peuple goûte le chéri, sougrou museo. C'est rafraîchissant de la revoir sur scène. C'est qui ça? Il nous avait fait vibrer quelques années en arrière et c'était de très belles retrouvailles finalement. Je m'attendais à ce qu'il danse un peu, mais bon, quand même. Hein. C'est pas l'envie qui lui a manqué. C'est clair. On le sentait bouger un petit peu. Et bon, le choix musical était tout trouvé hein, pour Charles Blé Goudé. Ouais. On se souvient de cette chanson pour les éléphants aussi. Ouais. Elle a fait un véritable tabac. C'est qui ça? À l'instant, on continue dans les prolongations. On avait reçu également toute l'équipe. Sinon, une partie de l'équipe du film Monsieur le maire, Fortuné Akakpo, Viateur et puis la ravissante Jidi Atakpo. Voilà, je comptais sur toi parce que franchement... Les popos. Et puis Viateur nous a démontré qu'en plus d'être acteur, il avait autre chose, il avait une autre corde à son arc. Mmh. Il est excellent chanteur et il nous a fait la démonstration dont chacun connaît son travail. On va revoir tout ça. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens. Y'a miracle ici, viens. C'est miracle que tu viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop fans de miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen, tu vas enfanter, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer, oh. Pour ça, on répond vivement, parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, y a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Pour ça, on répond froidement, amen. C'est les jeunes chrétiens qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini ça. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair de poule. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. A toi, il y a miracle ici. C'est miracle que tu viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. En fait, je me rends compte que notre semaine a été très zougloutique. Oui, alors ça, c'est du zouglou gospel. Hein. Grave. Il n'y a pas du zouglou, si c'est... Ouais. Franchement, j'aime trop comment ils tournent les choses. Et il y a miracle, il dit bien. Il y a miracle, il dit bien. Il y a miracle, il dit bien. Il y a des riz, papa, il y a miracle. Mais je pense qu'il vient, elle a l'argent ici. Bah oui. Je ne sais pas, on pourra peut-être lui poser la question. En tout cas, c'est une tête bien faite. Elle est belle à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est une femme qui accompagne de nombreuses entreprises depuis des années dans l'accomplissement de leurs objectifs. Elle est à la tête du cabinet Lola Wise et comme je le disais tout à l'heure, elle a reçu le 5 septembre dernier le prix de meilleure femme d'entreprise, meilleur chef d'entreprise dans la catégorie jeune. Merci d'accueillir Lola Wise. Ça va Lola? Ça va super bien. Tu sais, quand j'ai entendu son nom, il y a une petite chanson qui m'est venue dans la tête. Comme je suis un peu folle. Titio, la Lola, la Lola. Ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Ravie de te revoir. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Alors déjà, Lola Wise, alors je sais que ce n'est pas ton nom à l'état civil. Non, du tout.
s'appelle l'eau. À l'état civil, je m'appelle Laurence Nguessan. Donc Laurent Nguessan Kero Laurence. D'accord. Donc Lola Wise est une, on va dire, une image que j'ai voulu donner à ce cabinet de formation innovant. Donc Lola, on m'appelait Lola, la Lolaï quand j'étais plus jeune. La Lolaïte. La Lolaï. Et la Lolaï. Quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait plus sérieux, j'ai coupé Lola. Et Wise, parce que c'est véritablement une aspiration. C'était vraiment une déclaration également pour tout ce que j'allais faire. Je voulais faire grandir le cabinet dans cette dimension-là de sagesse. Donc Wise de l'anglais wisdom, qui veut dire sagesse. Mm-hmm. Donc voilà un peu. C'est la formation de Lola C, c'est quoi ? Alors, Lola Wise est économiste à la base. Donc j'ai un master en économie. J'ai fait des études parce que je voulais impacter tout ce qui était politique de macro et micro économie de développement. Et puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce que je pensais être le moyen de changer le monde n'allait pas forcément changer le monde. C'était beaucoup de bureaucratie. Et j'ai décidé de me reconvertir et travailler beaucoup plus sur le capital humain, donc c'est-à-dire l'homme, qui va véritablement implémenter le changement. Mmh. Sonia, on se disait, il fallait vraiment qu'on te demande concrètement comment ça se passe, le boulot de Lola, comment on arrive à booster des personnes, à coacher les personnes, parce que c'est ce qui est écrit, un coaching de Lola Wise, ainsi de suite. Est-ce que c'est facile pour une femme d'évoluer dans ce domaine-là? Comment tu y arrives? Mais ce sera juste après un petit quelque chose, une petite step, à l'heure de step. Hein, c'est okay. Ça, non. Ça s'appelle Important à savoir. Hein. Ouais. Et vous allez découvrir, c'est super important à savoir. Ouais, mais moi, on va parler argent. J'ai une surprise. On va parler argent. Bien sûr. Money, 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 money. Pour savoir si les 10 millions qu'elle a reçus, c'est vraiment les vrais 10 millions. Mais tu sais que c'est ça le truc. Tout le monde sait combien vous avez reçu. On va pas te lâcher ça. 10 millions aussi. On a reçu ça. Important à savoir. Yes. Ok, c'est tout de suite. Alors, est-ce que vous avez déjà demandé ce que représentaient les chiffres et les lettres sur les billets de banque ? En vrai, enfin, moi, j'ai jamais vraiment fait attention. Attention. Ouais. Moi également. Bon, si sur 10 millions, ça doit être beaucoup à vérifier. Mais moi, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé, je me suis renseignée. En fait, les chiffres et les lettres permettent d'identifier le biais. Donc, pour aller dans le détail, les lettres permettent d'identifier, de situer géographiquement et historiquement les biais, tandis que les chiffres, ça permet de, c'est les numéros de série. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser aux lettres. Alors, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez faire l'exercice. Tous les biais que vous sortirez de votre portefeuille portera la lettre A. Alors pourquoi? Parce que les différents pays de l'UE et moi ont chacun un signe distinctif. Donc la Côte d'Ivoire, c'est A, le Bénin, B, le Burkina, C, le Togo, T, le Mali, D, le Niger, H, la Guinée, Bissau, S, le Sénégal, K. Donc ce qui fait que c'est impossible de trouver deux billets pareils. Donc par exemple, on peut trouver deux billets dans différents pays parce que le numéro des séries sera pareil, mais au Burkina, ça sera la lettre qui est censée la représenter en Côte d'Ivoire, A. Donc là, je pense que tout le monde est en train de regarder ses billets. Est-ce que c'est A, est-ce que c'est B? Si jamais sur votre billet, il est écrit B, pas de panique, c'est juste que votre billet a sûrement dû passer la frontière, parce que comme on sait, la Côte d'Ivoire, c'est un pays transfrontalier, et plus tout le monde passe, faire du commerce. Et ce que moi, je vous l'ai dit, c'est inciter beaucoup de personnes à aller sur le site de la CEDEAO. Il y a énormément d'informations. Par exemple, sur le site, on nous explique comment détecter un vrai d'un faux billet à l'œil nu, quelle est la différence entre une pièce de 200 francs et une pièce de 500, en dehors du chiffre, bien sûr, 200 et 500. Et c'est super intéressant tout ça. Moi, j'ai trouvé cool, je voulais partager. Donc, normalement, en Côte d'Ivoire, dès que vous voyez A sur un billet, ça veut dire que le billet vient de la Côte d'Ivoire, peu importe le pays où vous êtes. Voilà. Et puis, si vous fouinez comme moi, c'est-à-dire que si tu veux voir si on te ment ou pas, ton chéri te dit, par exemple, bébé, j'étais au Burkina. J'étais au Burkina. Et tu vois des billets où c'est... Ah, mais peut-être qu'il est parti, hein, les billets A au Burkina, il est revenu avec. Il est parti à combien de billets hommes, en fait. On ne sait jamais. Le caillou est mou. Donc, merci voilà. Sonia, merci pour cet important à savoir. Mais non, je vais faire attention, je vais devenir maniaque carrément grave, en fait. Moi je fais ça depuis voilà. que j'ai eu l'info. Alors Lola, oui. On va quand même repartir le 5 septembre, oui. Voir un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as décerné ce prix d'excellence. Déjà, comment tu l'as su? On t'a appelé? En général, comment ça se passe? Allô, vous êtes... Bien, alors oui, on nous prévient, on est prévenu. C'est un mail, oui, on est prévenu quelque temps. Coup de fil de qui? Oui, coup de fil de la primature, parce que c'est une initiative du chef de l'État, mais pilotée par la primature. Donc on reçoit un coup de fil de l'équipe justement du projet prix national pour nous indiquer que notre candidature a été retenue et qu'on recevra donc le prix à l'occasion de cette cérémonie-là. Très bien. Revivons ensemble ce moment qui était plutôt magique. J'imagine. Prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, mademoiselle Kero Laurence Nguessan,
directrice et formatrice du cabinet Lola Wise. Elle est lauréate du prix du jeune entrepreneur féminin et de l'innovation de la CGC Academy 2016. On avait reçu des prix d'excellence la semaine dernière qui nous expliquaient qu'en fait, il fallait proposer, il fallait soumettre ses dossiers pour espérer être retenu. Exactement. En l'occurrence, dans ton cas, c'est pas, ça n'a pas été pareil. Alors si, parce que au départ, il faut soumettre le dossier. Mais après, dans la sélection, il y a plusieurs institutions qui vont coopter le profil. Donc, pour le prix national du meilleur chef d'entreprise, que ce soit catégorie jeune, femme ou champion national, c'est des prix qui partent du patronat ivoirien. Donc, le patronat ivoirien ont la possibilité de valider ou d'infirmer une candidature. Donc, ils ne décident de pas. Donc sur la base. Mais c'est vrai qu'Ava, quand même, sa candidature appuyée par le patronat, c'est quand même totalement, le patronat ivoirien. Totalement. Ça a beaucoup plus de poids qu'autre totalement. Chose. Totalement. Donc on a le président du patronat ivoirien tout de suite à l'écran. Donc ça fait quand même quelques années que j'interviens sur pas mal de projets, notamment la Business Plan Competition, qui est la compétition pour les jeunes entrepreneurs de la CGCI. Donc, ça fait que je pense que mon entreprise est suivie. La croissance qu'on a eue, l'impact qu'on a eu, la progression qu'on a eue, ils ont vu le travail également abattu. Et j'ai été en 2016 également pris de la CGC Academy Business Plan Competition 2016 pour le meilleur entrepreneur féminin innovant. Wow. Donc, on va dire 7 ans plus tard, on rend grâce à Dieu. Alors, Lola Wise, c'est combien de cabinets aujourd'hui? C'est combien d'entreprises plutôt combien d'entreprises soutenues et comment on intervient finalement pour changer un petit peu la destinée d'une entreprise, pour lui donner une orientation, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs? Alors aujourd'hui, le cabinet accompagne plus d'une cinquantaine d'entreprises. Donc pas en permanence, mais depuis la création. On a travaillé, on a quand même un bon portefeuille client dans les banques, dans l'énergie, en Côte d'Ivoire, dans les institutions internationales, etc. Et on intervient sur la base des plans stratégiques. Donc on n'établit pas le plan stratégique. Le plan stratégique est déjà conçu et il rencontre parfois des difficultés de mise en application parce qu'il y a des blocages au niveau de l'humain, il y a des blocages au niveau du management, au niveau des équipes, au niveau des compétences qu'on a rassemblées sous le toit. Donc nous, on intervient essentiellement pour permettre à cette équipe-là qui théoriquement devrait produise réellement le travail qui est attendu. Je vais prendre en cas de cas comme une entreprise. Hein. Disons qu'il est humoriste et qu'il a sa petite boîte de prod et lui et tout. Comment est-ce que non, surtout, son objectif, c'est d'atteindre 10 millions. Parce que quand je suis allée sur votre page, j'ai lu, je vais lire, je vous dis ce que j'ai lu. Alors, j'aide les entreprises et leurs équipes à atteindre les objectifs annuels qui se sont fixés. Exactement. Donc, son objectif, c'est d'atteindre 10 millions. Ça, c'est un point essentiel. Le point de départ, c'est quel est l'objectif de l'entreprise. 10 millions. Et généralement, quand on nous contacte, c'est la première question qu'on pose. Ah, les consultations gratuites, on ne va pas payer, mais on aura tous les tips. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on prend... on fait l'état des lieux de l'objectif et d'accord. des challenges enregistrés par l'entreprise ou l'entrepreneur. Dans le cas précis, c'est l'entrepreneur. Mmh. Donc nous, on accompagne les entreprises par le biais du top management, des managers et même on descend jusqu'aux exécutants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir plus ou moins un bilan de compétences pour savoir plus ou moins est-ce que vous avez recruté les bonnes personnes. Parce que ça, c'est le point de départ. Déjà, est-ce que tu es entouré de bonnes personnes en cas de cas? Est-ce que ton manager, il est top? Est-ce que ton chargé de communication, il est bien? Est-ce que tu as un producteur derrière toi? C'est un petit peu ça. Le community manager, ainsi de suite, oui. D'accord. Donc, nous, on ne va pas faire le travail du RH, mais on va s'assurer qu'au niveau de la cartographie des compétences de l'entreprise, on n'a pas de souci. Donc, le problème ne vient pas de là. Après, on va regarder au niveau du management. Donc, est-ce que les différents managers communiquent bien la vision? Est-ce qu'ils communiquent bien également les objectifs? Et ils arrivent à piloter les différentes actions qui ont été pensées et conçues. Et donc, à ce moment-là, on va proposer un plan d'accompagnement pour le manager et les équipes pour gérer les problèmes de performance. Donc ça peut être des problèmes liés à la communication interpersonnelle au sein de l'équipe, ça peut être des problèmes au niveau du manager lui-même, parce qu'il faut le rappeler, il y a des personnes qui sont extrêmement techniques, c'est-à-dire techniquement parlant, la personne est calée. Mais dans la gestion de l'humain,
dans sa capacité à communiquer une information, à faire des briefs, à faire des feedbacks, à motiver, à fédérer une équipe autour de l'objectif commun, il n'y arrive pas. D'accord ? Donc très souvent, il y a beaucoup de réglages à faire au niveau des managers qui sont de bons techniciens, mais en réalité pas des managers. Ça prend du temps de faire ça ? Ça peut prendre du temps en fonction du profil. Mmh. 99% du résultat dépend de la prédisposition du manager au changement. Mmh. Donc nous, qu'est-ce qu'on vient ? On vient avec la pelle, le sable, le ciment, etc. Et chaque manager va construire son bâtiment. Donc s'il n'a pas choisi, décidé de transformer sa technique de management, on a un problème. Mais 50 entreprises, Lola, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même énorme. Un peu plus que 50 en réalité. Ouais, je me demande comment on arrive à gérer autant d'entreprises. Pas en permanence. C'est-à-dire que depuis la création, on est à même plus de 50 hein, d'entreprises accompagnées. Mm-hmm. On a un peu plus de 50. Et en fait... C'est les entreprises en Côte d'Ivoire essentiellement, ou est-ce que tu interviens aussi à l'international, au-delà de nos frontières ? Dans la sous-région, oui. Dans la sous-région. On intervient déjà pas mal au Togo, en Guinée, mm-hmm. Guinée-Conakry. Je dis coucou si on me suit de là-bas, donc mm-hmm. en Guinée-Conakry, où on a depuis 2 ans un accompagnement pour des entrepreneurs. Mm-hmm. J'ai vu aussi sur ta page que tu suivais tous les entrepreneurs qui étaient candidats pour le prix BJKD. Bénédicte Janine Kakou-Diagou, qui est un magnifique programme mm-hmm. pour les entrepreneurs. Qui est coté à combien ? 25 millions de Français ouais. Alors, pour les prix... Cumulé, on a plus de 55 millions hein, distribués chaque année en appui technique, mais également financier, en numéraire, qui est remis, qu'on remet chaque année aux entrepreneurs, pas seulement qu'ivoiriens, mais également de la sous-région. Et ta particularité, ou sinon ton apport justement dans ce prix-là, c'est d'aider à formuler le pitch. Exactement. Alors le pitch, c'est hyper important. En français facile, le pitch pour un jeune entrepreneur, c'est quoi ? C'est la capacité à présenter son activité avec clarté, mais surtout avec impact. Donc donner envie à un potentiel investisseur de lui donner tout de suite là, cash sur la table de l'argent pour faire avancer l'activité. Mm-hmm. Donc c'est vraiment ça, c'est un pitch d'entrepreneur, c'est pas juste un beau discours, mais c'est un pitch qui se veut technique, financier, mais également qui sait communiquer une vision puissante. Quel est le problème qu'on rencontre en général avec les jeunes entrepreneurs ivoiriens ? Le flou. Le flou, c'est-à-dire que l'individu est passionné, il est embarqué dans son projet, corps et âme, il se donne, il travaille des heures et des heures, mais il n'arrive pas à expliquer concrètement quelle est la solution qu'il apporte et comment est-ce que son marché, donc sa cible, peut grandir dans le temps. Donc il y a beaucoup de flou, manque de clarté très souvent dans la capacité à exprimer ce qu'on fait réellement mmh. et l'impact qu'on a. Alors nous, dans cette émission, on n'a pas de flou, on n'a pas de problème de clarté, surtout quand il s'agit de la pub. On est direct, on y va. La pub. Suivez ce programme avec Lonacy Online. D'ici, avec évidemment Nketouké, Sonia, Lola Wise, avec qui on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat aussi. Les deux se disent, hein, deux se dernièrement. Disent. Lola qui vient de remporter le prix d'excellence. Jeune chef d'entreprise, donc pour l'édition 2023, et avec qui on parle non pas seulement d'argent, mais aussi de tactique, et voilà, ainsi de suite. Entre-temps, ils nous ont rejoints, les leaders Donès et Valérie, désormais. Oui, ça va très bien. Okay. Bon, vous êtes tous deux maintenant, hein. Oui. Il y en a un qui n'est plus de la partie. Oui, c'est ça, évidemment, c'est ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous faisons notre chemin à deux. Mm-hmm. Voilà. On dirait que vous êtes un peu quand même tristouné, parce qu'on est habitué à quelqu'un, on a commencé l'aventure. En plus, c'est lui le créateur à la base, le fondateur du groupe. Celui qui est parti. Non, d'après ce que j'ai pu lire, il a dit qu'il avait créé le groupe, ainsi de suite. Vous êtes là pour, justement, on parlait de flou tout à l'heure, pour mettre la lumière, nous éclairer un petit peu, nous donner le vrai du faux, en fait. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas grand-chose. Seulement qu'à la base, c'est le grand foyer qui est là, Balé, mm-hmm. et Pico qui ont créé le groupe, en fait. C'était les deux. Moi, je ne faisais pas partie du groupe parce qu'ils avaient déjà... un groupe avant, mm-hmm. et après ils m'ont fait appel pour
m'intégrer à la chose. Voilà. D'accord. Donc, à la base, c'est Val et Pico qui ont créé le groupe. Mmh, très bien. Voilà, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez forcément qu'on allait vous poser la question. Pourquoi cette séparation? On est habitué à vous voir en trio, ça se passait bien, vous passiez une nouvelle étape de votre carrière, et puis bon, ils décident de partir. C'est vrai, toute séparation est toujours douloureuse, mais bon, on a commencé quelque chose depuis petit. On avait des objectifs. Petit genre? Bon, étant adolescent, hein, quand même. Ah. Entre 16 ans et 17 ans par là. Ah ouais, hein, quand même. On avait voulu vraiment réaliser ces rêves-là. Mm-hmm. Celui de faire la musique et d'arriver au sommet. Voilà. Et aujourd'hui, ça a été quand même chose faite, parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le leader, c'est un nom. On a pu voyager, faire le pas de la culture, pas mal de choses ensemble. Vous avez fait le tour pratiquement de certains pays et tout. Ouais. Arrivé à un certain moment donné de la vie, bon, quand il s'agit de séparation... Quand il s'agit d'argent. Non, c'est pas l'argent. Parce que chez nous, dans notre groupe, on avait tous le même gain. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'argent que l'autre. Si moi, il y a 100 000 à 100 000, l'autre à 100 000, ça c'est clair. Mm-hmm. Ça a été comme ça, c'est ce qu'on a décidé depuis le début. Mm-hmm. Donc voilà, mais c'est un moment donné. Voilà. Mais Valé, c'est quoi la vraie raison? Parce que là, je sens qu'il est en train de, tu vois, non, lui-même, il parle de diplomatie, lui-même dans ses il vous a dit qu'on n'avait pas la même vision. Mm-hmm. Il avait sa vision, nous on avait notre vision. Et sa vision, c'était quoi? Dites-nous. C'est lui qui sait. Nous, on ne sait pas. Mais votre vision, c'est laquelle alors? Nous, on avait essayé quand même de rester ensemble. On en a parlé pendant plusieurs mois. Voilà. Mais arrivé, c'est un moment quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mm-hmm. Non, quand ça ne va pas, à quel point vous ne vous parliez plus? Non, on parlait, on échangeait. Mais arrivé à un certain moment donné de la vie, quand mm-hmm. quelqu'un te dit, écoute, je veux partir, il y a une carrière à poursuivre. Là. On ne va pas s'arrêter à ça jusqu'à 2 ans, 3 ans, en train de régler le problème. On a essayé, on a échangé. C'est après une longue réflexion qu'il a vraiment décidé de partir. Donc, on a accepté. Oh. Donc, quand nous sommes rentrés de Paris, il fallait annoncer au moins à la télé pour dire à nos fans que voilà, à partir d'aujourd'hui, désormais, vous ne nous verrez plus à trois, ben, maintenant ça sera moi et Valé. Voilà. Parce que l'autre a décidé de caler. Mais il est revenu, il n'a pas calé, puisque quand il est parti, il est venu, il a même sorti un single un moment ici. Il a même chanté. Voilà, donc c'est pas. À tout à l'heure, j'ai vraiment envie de savoir c'est quoi le Poutoulou. Parce qu'apparemment, quand. Poutoulou, là. Tout à l'heure. Mais pourquoi tu rigoles? Faut expliquer. Juste après tes affaires classées, peut-être que toi, tu pourras amorcer un petit peu l'explication c'est du ça. Poutoulou. À t'entendre rire, tu en sais quelque chose. Est-ce que tu étais dans le sens? Poutoulou. Poutoulou. Aïe. Poutoulou, c'est un loup. Poutoulou. Non, c'est vrai? Allez, déclassifions tout de suite les affaires. Voilà. Dans les affaires classées, il y a toujours un nouveau dossier. Voilà. Ah bon. Et on va parler du Zouglou, n'est-ce pas? Parce qu'on a, le groupe Les Ludeurs, on a aussi vraiment Lola qui est là, vraiment. On va l'applaudir très, très fort, voilà. Merci, félicitations. Nous tous, là. Là, un jour, on va avoir aussi. Un jour, on va avoir aussi. Voilà. Et donc, quand on parle de l'excellence, on voit aussi qu'il y a des enfants de Ouaratou qui sont là, qui seront célébrés demain au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Félicitations aux enfants, là. Vraiment, félicitations aux enfants. C'est important. C'est Abou Nidal qui a fait le son. Donc, voilà. Bon, pour revenir au Zouglou, le Zouglou, c'est notre identité culturelle. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'on a le rap ivoire, on a le coupé décalé, mais le Zouglou reste la base. Vous voyez un peu. Et on dit la culture est l'essence de tout un peuple. Mais l'impression qu'on a chez nous ici, on dirait notre essence là, c'est du gasoil. Oui, oui. Parce que le gars, il prétend aimer un artiste et il va toujours acheter des œuvres piratées. Mais l'artiste, il va vivre de quoi? Après, c'est pour dire, non, le gars, il a moussé ici. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec son argent. Vous voyez un peu? Donc, quand tu aimes un artiste, il faut l'encourager en achetant des CD stickés. C'est comme ça, l'artiste peut vivre un peu et puis son équipe aussi va manger un peu. Donc, le Zouglou, c'est une famille. Et dans la famille, chacun a son métier. Chacun fait un peu ce qui lui semble bon, de sorte à ce que vraiment, pour maintenir un peu une bonne ambiance dans la famille. Dans le Zouglou, on a les patrons du Zouglou, n'est-ce pas? On a des footballeurs, on a le Mbappé du Zouglou, on a aussi les électriciens, oui, oui, on a la lumière, le luthier, on a des garagistes dans le Zouglou, on a des magiciens, on a même des marabouts. Et tout ça, c'est dans le Zouglou. Et même Yodé, quand il est fâché, il boit un peu de sirop pour calmer son cœur. Tout ça, c'est dans le Zouglou. On a aussi les leaders, vous voyez.
Et voilà, c'est quoi un leader? Vous voyez, Lola, elle est sur le plateau ici. Un leader, c'est quoi? Il est caractérisé par des valeurs, n'est-ce pas? Il y a l'assurance qui est là, il y a aussi la vision, et il y a la mise en œuvre de cette vision, n'est-ce pas? Si je me trompe, quoi, tiens? Je comme valide. Ça? Hein? Vous validez? Alors voilà, donc tu vois le truc. Donc, ça dit, eux, ils ont décidé d'être des leaders de la musique, et ils essaient de véhiculer des chansons. Ils ont commencé avec, comment on appelle ça, à motiver la jeunesse, avec les chansons, leur premier featuring avec le groupe Garagiste, que moi j'ai beaucoup aimé. Lui-même il a dit, il aura un temps où tu crieras de joie. C'est bien. Après ils ont chanté Goumet. Ah ouais, ça fait de Goumet là. Oui. Non, Goumet, ça fait mal. Hein. Donne-le, il sait. Comment ça? Parce que quand il était au studio, quand il chantait Goumet, là, yeah. Tu vois, ça dit, la fille, tu sais que je t'aime, et la gueule, elle m'a trahi, oh. Elle savait que je l'aimais, oh. Pourtant, je l'aimais, oh. Pourtant, ce jour-là, façon, maillot jaune a essuyé l'âme dessus, là, au studio, là-bas. Pourtant, je l'aimais, on dit, donne-le, on sait que tu l'aimes, c'est bon qu'on sache. Il faut chanter, on va quitter ici. Vous voyez? Parce que Goumet, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est dans Goumet. C'est-à-dire, il est en train de lire l'heure en amont. Oui. C'est-à-dire, le gars, il est là, il se fâche lui seul, il est assis, il pleure. C'est-à-dire, souvent, il va dans les conversations, il commence à supprimer les messages lui seul, il supprime les photos. Quand tu lui dis, il y a quoi? Il dit, j'ai. Oh, il j'ai rien. Le gars, il est en train de souffrir. C'est Goumet seul qui fait des trucs comme ça. Tu vois? Donc, vraiment, essayez dans votre relation, essayez de vraiment toujours rester. C'est-à-dire, s'il y a des incompréhensions, trouvez des solutions, ne vous mettez pas dans le Goumet. Le gars, il a tout fait pour la fille. Il a fait, elle a obtenu son visa, il a payé son billet d'avion, il a payé tout. Il s'en va accompagner la fille à l'aéroport, elle a accompagné sa maman. Et la maman de la fille, en présence du jeune qui a tout fait là, elle dit à sa fille, toi là, de toute façon tu es en train de partir là, on va revenir ici célibataire, hein? On va revenir célibataire. Et lui qui a payé billet d'avion là, lui là, il va faire quoi? Faut pas donner Goumet au gars, la fille n'est pas encore partie, tu es en train de donner Goumet au gars qui est derrière ici, la maman. Faut pas faire ça. Tu vois un peu le truc. Donc vraiment, il faut aller doucement. Parce que Goumet, ça fait mot. Parce que quand il dit mot, c'est mal sont beaucoup. Voilà, donc il faut éviter ça. Voilà, maintenant pour éviter les Goumets, je vous conseille vraiment le Poutoulou. Oui, Poutoulou. Essayez c'est ça. Quoi, c'est quoi et le Poutoulou? Vous allez voir bon, ce que ça va donner. Valé, c'est voilà. Quoi le Poutoulou? Parce que chaque fois que je dis Poutoulou, ça rigole de part et d'autre. En même temps, fait. Je pense qu'en donnant j'aimerais dire qu'on décrypte tout ça. Vous demande. C'est quoi le Poutoulou? Poutoulou, ça consolide. Ça consolide les foyers et ça rend les foyers qui sont pour un Poutoulou. Voilà. Là, vous me le dites. Je vais d'abord et voir. Il y a un truc quand même, les gars, je trouve assez bizarre. Vous avez le courage de sortir un titre, Poutoulou, vous en faites la promotion, mais vous n'assumez pas d'expliquer ce que mais ça veut dire. Non, pourquoi? C'est pas ça. Oui, mais parce que non, vous laissez les autres expliquer, vous laissez les gens rigoler, mais vous faites oh, Poutoulou. En vérité, mais c'est quoi? Poutoulou, c'est un affront. C'est un quoi? C'est ça. Un afro. A-t-il à l'écart? Un africain, en fait, un afro. Un aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque. Voilà. Ah, Poutoulou, c'est un aphrodisiaque. Voilà, et puis, nous... Et votre album s'appelle Aphrodisiaque? Non. Ça s'appelle Poutoulou. Pourquoi? C'est ça, on va vous expliquer maintenant. Là. En fait, nous, on n'encourage pas, en fait. On dénonce. Ah. Tu comprends un peu? Celui qui écoute bien la chanson va savoir exactement de quoi est-ce qu'on parle. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, ça donne vraiment à cette histoire de ce phénomène de Poutoulou, c'est vraiment exagéré. Mm-hmm. Tu vas dans un tel endroit, tu as 18 ans, tu as toutes tes facultés, tu es en bonne santé, tu as quel problème à vouloir utiliser ce genre de choses-là? C'est vrai que le message, il vient à point nommé parce qu'on est dans l'actualité où on parle de Kadhafi, oui, d'excitants, de produits toxiques. C'est un peu tout ça. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi ce dont vous parlez, le Poutoulou. Voilà, donc aujourd'hui, quand nous regardons la jeunesse, quand nous regardons en arrière, c'est vraiment, ça fait vraiment peur. Mm-hmm. Vous avez déjà utilisé le Poutoulou, là, vous? Non. Le Poutoulou, c'est vrai qu'il explique le côté négatif, mais il a son côté positif. Valet. Il assume. Ouais. Voilà. Dis tout. Le côté positif, c'est quoi, Valet? Dans le cas où il y a des gens qui ont des dysfonctionnements, mm-hmm, du côté, je ne vais pas rentrer c'est en ça, profondeur. Voilà. Ça a l'air de consolider leur foyer, comme il a dit tout à l'heure. Là. Bah, est-ce que vous avez appelé votre EP Poutoulou parce qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un qui est parti? Non, parce que c'est le premier album. C'est le premier projet à deux. Oui, à deux. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir, mais c'est simplement que ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que ce EP-là, il est sorti. Il a été produit par nous-mêmes, les leaders.
Okay. Mais le poutou, c'est un phénomène vraiment qui sévit à Abidjan et c'est pourquoi nous en parlons. Okay. Ouais. Et avant qu'il y ait un petit dysfonctionnement dans le timing de l'émission, il faut que je me résigne à lancer ce qui arrive. C'est le medley, c'est un petit peu de vous, hein, condensé dans une petite minute. On regarde. Ok. On les a tous eus, oh, sauvagement. Préférée de tous les temps de leader, ce sera forcément l'argent. Ah, ça c'est lui tout de suite. Avec le ballet. Sur les gens, c'est dingue, Sonia. Je me demandais qu'est-ce que ce projet il a de plus, parce que c'est, je crois que c'est votre projet qui a le moins de titres. C'est le projet où vous êtes moins. Oui. C'est le projet qui a pris le moins de temps à se préparer. Oui. Donc qu'est-ce qu'il a de plus? La particularité de ce projet-là, c'est que d'abord, dans un premier temps, c'est nous qui l'avons produit. Voilà. D'accord. Et puis il faut dire qu'après notre séparation avec notre collègue, voilà, c'était vraiment difficile pour nous. On a eu à mettre du temps avant d'y sortir. Voilà, il fallait digérer tout ça, essayer de gérer tout ce qui était comme médias, les gens parlaient, mais nous, on n'a pas voulu se prononcer, donc on est resté dans nos coins, travailler, mais il fallait revenir quand même en force. On avait voulu faire 10 à 14 à 15 titres, mais avec les conseils de nos différents arrangeurs qui nous ont dit, ça ne sert à rien de faire 15, 14 titres actuellement. Voilà, il y a la piraterie, il y a pas mal de choses. Choisissez un thème, réduisez vos chansons, prenez un bon nombre, et puis lancez 6 titres, on verra ce que ça va donner. Et on recommande à tout le monde de payer le CD et de l'écouter, et de prendre son temps pour écouter. Il y a toujours des très belles mélodies là-dessus. Est-ce que vous êtes sur les plateformes de téléchargement? Parce qu'aujourd'hui, enfin, oui, on n'est oui, plus oui, beaucoup oui, à écouter oui. les CD. Nous sommes sur toutes les plateformes de téléchargement. Okay. D'ailleurs, j'en fais un petit bilan sur leur page en expliquant que tout se passe bien, que les streamings sont au top, les albums sont disponibles, enfin bref, que tout allait bien. Le Zouglou avait repris du poil de la bête. À une certaine période. C'est vrai qu'il y a eu un passage à vide. Et puis, il y a quelques temps, avec l'arrivée de Révolution, vous et d'autres groupes, le Zouglou avait commencé à se repositionner. Et puis là, on assiste quand même au retour du rap, voilà, qui essaie de prendre emprise, ainsi de suite. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de fonctionner comme eux? Parce que les rappeurs, ils enchaînent single après single, en fait. Il y a eu ce petit moment de cassure. Les Zouglous, tu as l'impression qu'ils veulent toujours faire un album de 15-20 titres, qu'ils veulent quelque chose de plus abouti. Les rappeurs, aujourd'hui, ils enchaînent. Tu vois. Dès qu'on voit que ça a pris un petit Maïmounos sur le côté, ainsi de suite, il ne faudrait peut-être pas revoir votre façon de faire. À chaque étape, les choses évoluent. Hein. Mm-hmm. Voilà, au départ, c'était 6 titres, 8 titres, 12 titres, nous sommes passés qu'à 14, 15, 16. Mm-hmm. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'artistes. Les rappeurs sont venus avec les Maïmouna, mais nous, même sur notre album, on a fait un featuring avec Zagba le Requin, avec Domichi, avec ce groupe de Maïmouna, comme on les appelle. Mm-hmm. Voilà, allumer la télé et tout, sur le titre ambiancé. Mm-hmm. Voilà. Aujourd'hui, si nous avons fait ces 6 titres, c'est pour sortir de façon enchaîné, c'est-à-dire sorti aujourd'hui. Mm-hmm. L'année prochaine, sortir un autre projet. L'année prochaine, mais ne plus rester là en train d'attendre 2 ans, 3 ans. Non, ça, c'est fini, ça. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont vraiment en tas. Mm-hmm.
comme on le dit. Donc là, il faut se mettre à jouer, il faut travailler. Alors Lola, par exemple, là on a un vrai cas école, on a un groupe qui fonctionnait super bien, qu'on va apprendre comme une société, nanana, et là il y a quelqu'un qui part et tout. Est-ce que tu as un petit conseil, tu as une petite astuce à te donner pour que tout se passe bien peut-être? Il y a ce qu'on appelle les plans de transition, donc en cas d'absence, maladie ou départ, c'est quelque chose à prévoir, surtout pour des fonctions indispensables pour le dispositif, donc le plan de transition, le plan de succession, en fonction du motif de départ. Mais il faut toujours se rappeler que dans une entreprise, on parle surtout de fonctions et pas d'individus. Très bien. Donc, je le dis aussi bien pour l'entreprise que l'employé. Je dis toujours aux employés, vous n'êtes pas des arbres, vous êtes remplaçables et vous pouvez être mobiles. Donc, le temps passé dans une entreprise donnée est un temps qu'il faut fructifier pour les objectifs de l'entreprise, mais également pour sa croissance professionnelle. Donc, le départ d'une personne ne devrait pas fragiliser la maison. Très bien. Okay. Dans notre point de succession, point de transition ici, il y a quelque chose qui ne doit pas fragiliser l'émission, c'est la pub. Yes. Et elle lance toujours. Notre plateau de la télé d'ici ce soir, teinté d'excellence avec Lola Wise, évidemment les leaders qui sont de retour avec Poutoulou, un EP à découvrir absolument en cas de cas Sonia Giza. Et nos petits bouts de chou qui sont juste là, on va peut-être arracher un petit mot à l'un d'entre eux. On m'a dit que c'était des génies, qu'ils étaient doués et tout. Moi j'étais première de classe, hein, de... Ouais. Franchement, hein, je vous raconte c'est pas du tout. C'est parce que le prof de philo a dit. C'est qui? C'est lui? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jay Muriel. Ok. Je suis en classe de terminale D, mm-hmm, au lycée Fouet-Boigny de Congo. Mm-hmm. Et je suis un Waraboy. J'ai eu la chance d'être sélectionné par M. Abounida lors des présélections du Waratou dans ma région. Donc nous sommes venus ici à Abidjan pour la cérémonie de clôture qui se tiendra le vendredi 29 à 19h au Sofitel Hôtel Ivoire. Mm-hmm. Je ne doute pas que tu sois excellent, parce que là, tu as retenu le truc, tu l'as donné comme ça à Abounida, là, quelque part, on lui fait un coucou. Alors, tu nous donnes un peu tes notes. Terminal D, c'est quoi tes notes? Parce qu'on dit que tu es excellent. Tu nous dis un petit peu. J'ai eu 16,53 comme moyenne générale. Waouh! Et plus tard, tu souhaiterais être quoi? Plus tard, je souhaiterais être financier et je veux être entrepreneur. Ah! Et donc, tu as la bonne personne. Tu écoutes bien les conseils de... J'écoute ses conseils. Très bien. Et c'est qui tes modèles de vie? Mes modèles de vie, je pourrais citer M. Kaku Diagou. D'accord. De NCA. Mm-hmm. Je pourrais citer aussi Fiark Panou, c'est un grand trader. Mm-hmm. Et j'attendais que tu dises mon nom ou le nom de Sonia ou le nom de Kadok. Non, je rigole. Il y a aussi Lola Wise. Lola Wise, c'est bien ça. Sûr. Bien sûr, Lola. Bien sûr. J'aimerais un jour être primée comme elle l'a été. Oh, c'est chou. Est-ce qu'il y a des littéraires? Il y a des littéraires, une littéraire ou un littéraire? Une fille quand même. Oui, vas-y. Il n'y a pas de littéraire dans le... Comment ça, il n'y a pas de littéraire dans le groupe? C'est pas normal. Ici, y a de l'autre côté ici. Ah oui, attends. Ça va bien? Il y a des littéraires là-bas. Alors, je rappelle, ils viennent de part et d'autre, hein, d'un petit peu partout. Et demain, l'événement va pouvoir les récompenser. Ah bah voilà. Comme elle est jolie. Comment tu t'appelles? Je me nomme Doumbia Mariam. Doumbia Mariam, tu viens d'où? Je viens de Divo. De Divo. Très bien. Terminale, second? Terminale A. Terminale A, d'accord. Et alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu aimes? L'anglais, le français, la philo, l'allemand? La philosophie. Et donc, comment tu étais sélectionnée pour... J'ai eu une moyenne de 17,71. Oh. 17,71! Allez, lève-toi pour plus te voir. Viens, viens. Parce que ça mérite quand même. 17,71, tu as quel âge? J'ai 17 ans. Ah. Oh! Ça sent le chiffre de porte bonheur. 17 ans, 17. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaiterais faire plus tard, toi? J'aimerais faire des études de droit. Très bien. D'accord. Avocat, juge. Juge. Juge.
Très bien. Ah, écoute, c'est très bien. Ah, la madame, je suis à la balle. Hein. Il y a des modèles de personnes qui t'inspirent. Pas vraiment. Toi seule. Merci. Merci, madame Doumbia. 17 ans. Ouais, 17 de moyenne. Toi, tu en veux combien? Oh, eh, faut laisser. Terminal la quoi? On est là à la télé, on va faire ça. Terminal H. S'il a menti. On est là à la télé, on va faire ça. De toute façon, on personne n'a 17 ans, déjà en terminale. Si, tu te rappelles, tu as tellement inventé tes notes de philo. Elle a eu son professeur de philo qui s'est assis là pour nous dire. J'ai pas inventé. Pourquoi vous me discréditez? J'ai eu de très bonnes notes en philosophie. C'est parce que le monsieur, et je lui en veux jusqu'à aujourd'hui parce qu'il m'a fait passer pour une menteuse. C'est vrai. C'est vrai. J'ai eu de très bonnes moyennes. D'ailleurs, on va pas en faire un sujet. Allez, Sonia, à la suite. Parce que lui, il a dit qu'il était à 20 ans en terminale, c'est ça? Oui, toi aussi. T'as 17 ans en terminale. Ça, là, normalement, t'es à 17 ans, t'es au CE2. Maintenant. Non, non, génération. Non, génération. Ah, c'était compliqué. Non, hein. Dans notre temps, tu ne peux pas avoir 17 ans et puis tu es à pas hey, tu vois, le gars, même le CM2, il est babu, tu vois. Nous, on le confond à l'instituteur. Allez, on va essayer de voyager un petit peu dans vos chansons, dans vos titres. On va les éplucher. On va les écouter. Ça s'appelle La Tracklist et c'est Sonia qui va s'y coller. Alors, vous l'avez déjà expliqué, mais on va quand même l'écouter pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, on commence par Poutoulou. Ça fait rire tout le temps. Alors donc le poutoulou, c'est pour dénoncer, c'est pas pour encourager. Ne prenez pas le poutoulou, c'est pas bon. Prochain titre, on va s'en Valé n'a pas sortir. Dit son dernier mot. Attention. Ah, ça dépend. Dit, il y a un côté positif. Bon, ça dépend. La buque est dangereuse. Voilà. La buque est dangereuse. Pas du et surtout, la tranche de personne. Bah, là, surtout si la tranche d'âge. Genre, au-delà de quand on est certains... jeune, c'est dangereux, même pas abusé. C'est pas bon pour les enfants, mais c'est bon pour... Bref, on s'en va. On va s'en... Bah, c'est le bon titre. On va s'en sortir. On y va. C'est parce que moi, je sens bon et je suis propre que tu m'envies. Si nos grands fils des poignons, je lève les mains de Pilato. Alors, de quoi est-ce qu'on va s'en sortir? Non, le titre, on va s'en sortir. On demande comme ça à tout le monde de ne pas critiquer, de ne pas rester dans son coin et de critiquer. Si on se donne tous la main et qu'on essaie de faire les choses ensemble, on ira tous de l'avant. Mais à chaque fois, se mettre dans un endroit, parler de l'autre, on dit le pays, tout le pays est en chantier. Toi, tu es arrêté de l'autre côté là-bas, tu es en train de dire, mais ça là, c'est quoi? C'est quoi ils sont en train de faire ici? Viens apporter ta pierre à l'édifice pour l'avancement du pays. L'union fait la force, c'est ça? L'union fait la force, c'est ça. Pour reprendre un blé goudé, ce sont les poissons de deux rivières voisines qui se partagent. C'est tout mélangé. Allez, prochaine chanson. C'est peut-être parce que la vie est chère. Hein. Oui, la vie pas, est chère. Donc, cherté de la vie. Je crois que le titre explique, mais quand même... La vie est chère. Voilà. Arrivé à un certain moment, il faut en parler. Il faut plus s'éteindre parce que dans nos familles, c'est vraiment compliqué. Surtout pour nous, qui sommes les têtes des familles, qui dépensons, comme la dame qui est là. Voilà. Comme Glisse, comme en cas des cas, nous voyons un peu les réalités du marché. Un matin, tu te lèves, on dit le carburant augmenté. Tu te lèves le matin, on dit le pain augmenté. Et puis à chaque fois, un produit peut augmenter deux fois dans la vie. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il faut parler. Quoi, il s'adresse au tentier de marché gros. Il faut qu'elle diminue un peu les prix. Non, c'est pas elle. On s'adresse directement aux autorités. Et qu'elle puisse faire quelque chose. Voilà. Il faut que ces gens-là essaient de nous aider un peu parce que c'est vraiment difficile et c'est compliqué. C'est pourquoi nous avons chanté la chanson. Voilà.
C'est pour ça que vous nous demandez de croire, donc on va écouter Il faut croire. Il faut Il faut toujours croire, il ne faut jamais abandonner. Vous voyez, croire tout. En Dieu, croire en quelque chose. Croire en quelque chose. C'est la chanson gospel, la chanson évangélisation. C'est la chanson gospel, mais il faut croire en ses objectifs, en fait. Vous voyez ces enfants qui sont là aujourd'hui. C'est un message d'espoir que nous voulons leur véhiculer à travers nos chansons. Nous leur disons simplement de ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Voilà. Très bien. Là où les gens se disent que ça ne peut pas marcher, si tu crois, je pense que tu pourras t'en sortir. Mm-hmm. Voilà, Sonia. Ensuite, on a Aziza. Voilà. Super un pauvre DJ. Quand le gars est fan de toi, quand il ne t'aime pas, il t'a montré ta place, il a soulevé la chaise, il est venu t'asseoir encore. Yeah, chérie, oh, ce n'est plus goût, mais pour toi là, j'ai dit c'est la folie, oh bébé. J'ai l'impression qu'il s'est vengé du goumin qu'on lui avait donné. Ah, c'est ça, il veut se venger. Non, pourquoi? Ziza, c'est un fait de société. C'est pas, on ne parle pas que de ça, on parle un peu de tout. Okay. On dit simplement aux gens, ils ont fait le pont piéton. Il est là, il est en haut. Toi, tu traverses en bas. C'est pas ce que tu recherches. Quand on te demande, tu dis c'est un raccourci, tu prends. On parle de pas mal de choses dedans. Okay. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc le dernier, c'est ambiancé. Voilà. Avec les... On a trop pensé, oh, on a trop couillé, chercher l'argent est du haut. Cadet doit ou de Paris. Jipi de Fali, oh, on a grandi dans le noir, on doit finir à la lumière. Pardonnez-nous là, on veut ambiancer. Le coin n'est pas chaud. Président Donatien. J'ai dit cette fois pareil. Ambiancer. Évidemment, c'est le morceau ambiance. C'est ambiancé. Ouais, c'est un morceau ambiance parce que là, on a tellement bossé, on a tellement lutté. Après l'acheter de la vie, après... Quand on a fini de prendre les raccourcis, il faut s'ambiancer. Il faut s'ambiancer pour montrer aux gens qu'à un certain moment donné de la vie aussi, on a droit quand même un peu de moment de joie pour dégager un peu, se libérer un peu. Voilà, c'est pourquoi nous avons chanté ce titre ambiancé. Là. Petite ambiance. Je sais que les garagistes sont votre plus grande source d'inspiration en termes de zouglou ivoirien. D'ailleurs, quand on a demandé au lead vocal, il n'a pas hésité à reconnaître cette similitude qu'il y a entre vos genres musicaux. Est-ce qu'on aura droit encore à une autre collaboration, notre featuring entre vous et les garagistes à l'avenir? Oui, c'est la musique, c'est la musique. Actuellement, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes deux. On essaie, l'entreprise n'est pas fermée, on essaie de toujours mettre l'entreprise en marche, comme la mère a dit tout à l'heure. Et puis après, s'ouvrir encore, à faire de grandes choses, s'il faut, pas seulement les garagistes, mais avec tous les artistes du Côte d'Ivoire, et puis à l'international aussi. Voilà. Très bien. Ce sera la toute dernière pub de cette émission. Derrière, il y a le dernier tableau aussi. On y va, on revient. À tout de suite. Ce programme avec l'ONACI Online. Et c'est tout pour la télé d'ici de ce soir. N'oubliez pas demain les portes du week-end. Sonia aurait un petit quelque chose à rajouter, une petite question, une toute dernière. Oui, vite fait. La question que j'ai posée la dernière fois au prix d'excellence, ça change quoi de gagner 10 millions dans une carrière, dans une vie? Alors, c'est pas tant le chèque. Le titre, alors, voilà. Qu'est-ce que ça change? Le titre, c'est une reconnaissance. C'est une belle reconnaissance pour les efforts, pour le travail. C'est un peu comme un palier. Donc, il faut se booster pour aller plus haut. Déjà, se réjouir de cela, forcément. Se réjouir de ça, tout simplement. Bien sûr, totalement. C'est une belle reconnaissance. Ouais, c'est très beau, ça pèse. Quand tu regardes le parcours, tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis tous ces efforts, parce que l'entrepreneuriat n'est jamais rose. Jamais. Donc, toutes ces étapes-là franchies et avoir cette reconnaissance, on rend grâce à Dieu. Merci beaucoup, Lola, d'avoir été des nôtres ce soir.
Merci NK2K, merci Sonia Giza. Les leaders seront live tout à l'heure. Juste le temps de vous rappeler qu'encore une fois, demain, on aura les portes du week-end spécial jumelles. Donc on aura voilà, deux paires de jumelles demain. Nous aussi, on sera jumelles, hein, c'est la petite surprise. Et je rappelle qu'il y a une association de jumeaux également dans le studio. On vous fait un petit coucou. Merci d'être passé. Voilà. On vous laisse en compagnie de la très 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 bonne musique. Les leaders sont de retour avec Poutoulou. Arrachez-vous, écoutez, streamez, prenez plaisir et boostez-les surtout. On se dit à demain. Allez. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde? Est-ce qu'on peut faire du bruit tout le monde? Est-ce qu'on peut applaudir? Ici. On y va.
Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît? Maintenant, on va écouter le Poutourou. Ah, vous aimez ça? Vous êtes formidable. On y va. Et puis on écoute. On sait que Nilio Beto Mangua. On sait que Mayo Zondo Beto Mangua. C'était pas tout le monde. Tu as dit, ce n'est pas ton mousseau. C'était pas tout le monde. Tu as dit, ce n'est pas ton mousseau. Tu as parlé jusqu'à fatiguer. Voilà ça, oh, l'enfant te ressemble. Voilà ça, oh, yeah. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle, tous les hommes sont endurants. Aujourd'hui dans mon pays, à l'heure où je vous parle, tous les hommes sont endurants. Je dis à toi dès qu'il est fait, mais dès qu'on en parle, tout le monde se jette. Mon frère, toi, tu es comment? Il a du temps, si on fait des gens. Déchirer caleçon, soulever ma bite. Boutoulou, oh, aïe, aïe, merci, oh. Boutoulou, aïe, merci, oh. Je salue mon papa, là-bas dans les assiettes qui consomment le café. Faut pas abuser, oh, le vieux, y'a pas la tine d'état, oh. Yeah, oh, yeah. Est-ce que ça va tout le monde? La télé d'ici. Si tu entends ta copine dire, chérie Coco, dépendez mon caleçon. Faut pas négliger, c'est une manière de te dire qu'elle veut faire son deuxième coup. Faut pas négliger, oh, moi que tu vois, j'ai été victime. Oh. Ta mère est la noix, mon balance à vous faire, ça comme ça, moi si t'as nio. Après ma canoa, on blâme et sera, on donne sa gomme et sera, ma citadio. Et la gagne, la yo en fait, mais où toi, t'as ça yo en fait, ça que tout va dire au nom. Et la gagne, la yo en fait, mais où toi, t'as ça yo en fait, ça que tout va dire au nom. Il y a un cajolé, yo, ça s'en va, tout va dire au nom. Isabelle Anolé, yo, ça s'en va, tout va dire au nom. La petite a 17 ans, elle s'assoit sur le Jekao. Elle vient de mettre du cachet, voilà où c'est le cuisson des panneaux. Mon ami, moi ça c'est ma lame, oui là-haut c'est sous les mêmes mamies. Il a pris le garçon, oui là-haut c'est le mien mais allez. Car tout je le sais pas, oui là-haut c'est déchiré caleçon. Et la gagne, yo en fait, mais où toi, t'as ça, yo en fait, ça vient tout pas de nous. Et la gagne, yo en fait, mais où toi, t'as ça, yo en fait, ça vient tout pas de nous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le jugement? Ah, ah, les jumeaux. Est-ce qu'on peut crier ouais? Les jumeaux du bout du monde. Ah, la télé d'ici. C'est chassou. Hey, allez va. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.